Aujourd'hui, les gens appellent le bien mal et le mal bien. Mais ce jour-là, quand Jésus, le Sauveur, deviendra Jésus, le juge, et assis sur le banc, tout ce que vous voyez maintenant sera complètement renversé. Même si nous servons tout comme nous donnons de nous-mêmes, même si nous donnons nos ressources, nous attendons impatiemment ce jour. Chaque fois que quelqu'un nous fait du tort, la première réaction, la nature humaine étant ce qu'elle est, la première pensée que nous avons est la vengeance, n'est-ce pas? Comment nous allons personnellement venger le mal qui nous est fait? Comment nous allons riposter encore plus fort que nous sommes touchés? Comment nous allons rendre le double ou le triple ou plus? Et puis nous conjurons et nous planifions la rétribution. Comment allons-nous faire cela? Mais même le monde non chrétien reconnaît maintenant qu'essayer de se venger de sa propre main est contre-productif. Une personne sage a dit, écoutez attentivement, elle a dit, vos ennemis sont un atout très précieux tant que vous évitez de vous venger contre eux. Vous dites, eh bien, comment ça se fait? Parce qu'ils vous gardent en alerte quand vous pourriez devenir spirituellement paresseux. Pourquoi les harceleurs, les faux accusateurs et les critiques sont-ils bons pour nous? Pourquoi? Parce qu'ils nous gardent à genoux dans la prière pour eux. Dans le dernier message, nous avons commencé la série de 2 Thessaloniciens. Nous avons vu comment l'apôtre Paul était rempli de gratitude envers le Seigneur pour leur foi croissante. Il rend grâce à Dieu pour leur amour croissant les uns pour les autres. Il rend grâce à Dieu pour l'espoir toujours plus intense et la confiance au Seigneur. Au milieu des circonstances écrasantes, ce n'était pas la vie en rose. Et ainsi, l'apôtre Paul commence à leur lever les yeux, à commencer à élever leur vision vers ce jour qui arrive, quand Dieu met fin à l'histoire. Et comme nous l'avons vu dans le dernier message, que Jésus va amener l'histoire à son apogée, il va y mettre un terme, ce jour-là. Et c'est ce qu'il demande de continuer à regarder ce jour-là. Il les encourage afin qu'ils résolvent de se tenir plus fort dans leur foi, de continuer à grandir dans leur amour et de continuer à s'intensifier pour cette espérance. Voici ce qu'il dit. Il dit que toute cette souffrance injuste est en fait un témoignage de votre récompense incroyable que vous allez recevoir ce jour-là. C'est une excellente indication de l'héritage que vous allez recevoir ce jour-là. Mais je vais m'arrêter ici, je veux que vous écoutiez une minute parce que beaucoup de gens sont confus à ce sujet. La Bible n'essaye jamais, jamais, jamais d'ignorer le mal. La Bible ne cherche jamais à prétendre que le mal n'existe pas. Ce n'est pas dans l'Écriture. La Bible ne dit jamais que Dieu fait un clin d'œil au mal. Non, 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 non. La Bible appelle le mal, mal. La Bible appelle la souffrance, souffrance. Et la Bible appelle la douleur, douleur. Et ce que la Bible dit est que quand les croyants souffrent injustement, quand les croyants passent par des circonstances écrasantes qu'ils ne peuvent pas contrôler, quand les croyants passent par le baptême de feu, non seulement Dieu sera avec eux et présent d'une manière très spéciale, non seulement les fortifiera-t-il d'une manière qu'ils n'ont jamais expérimentée auparavant, mais Dieu ne négligera pas l'injustice qui a eu lieu. Dieu ne laissera pas ceux qui leur causent de la douleur s'en sortir sans problème. Dieu ne laissera pas les faux accusateurs s'en tirer comme ça. Dieu ne laissera pas les persécuteurs des croyants s'en tirer, pour ainsi dire, mais alors
que ces croyants seront soutenus, seront renforcés pendant les temps d'épreuve, pendant les temps de difficulté, les temps de fausses accusations, les temps de persécution. La vengeance de Dieu vient sur ceux qui leur causent la souffrance. En fait, 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 5 à 10, juste ces 5 versets, Paul est en train de dire que quand le Seigneur revient et que l'histoire prend fin, quand il vient pour amener l'histoire à sa conclusion, quand Jésus, le Sauveur, deviendra Jésus, le juge, et assis sur le banc, tout ce que vous voyez maintenant sera complètement renversé. Aujourd'hui, les gens appellent le bien mal et le mal bien. Mais ce jour-là, le bien sera bon et le mal sera mauvais. Tout ce qui vous a rendu triste à cause de l'injustice, l'injustice qui s'y trouve, sera bouleversé. En fait, l'apôtre Paul répond à 3 questions dans ces 5 versets et je veux partager ces questions avec vous. Il répond aux Thessaloniciens, il répond à nous tous. La première question est la suivante. Quand Dieu justifiera-t-il les croyants et jugera-t-il les non-croyants? Deuxièmement, qui sera puni? Et troisièmement, quelle forme prendra cette punition? Regardons ces questions et les réponses de Paul à partir de la parole de Dieu. Quand Dieu justifiera-t-il les croyants et jugera-t-il les méchants et ceux qui l'ont rejeté? Nous avons vu dans le dernier message que le retour du Christ sera l'apogée de l'histoire. Le retour du Christ mettra une fin aux opportunités que tous ont aujourd'hui de se repentir et de se tourner vers lui et de recevoir le don du salut et de la vie éternelle. Il va y avoir une fin quand la porte sera fermée et l'opportunité ne sera plus. Dieu ne va pas simplement se sentir désolé pour les gens et les laisser entrer. Il leur donne l'opportunité maintenant. Il leur donne l'invitation maintenant. Il dit, venez à moi maintenant, c'est le moment, c'est le moment. Mais le jour viendra où cette opportunité aura disparu. Le retour du Christ sera un moment de grande séparation. Le retour du Christ bouleversera tout dans le monde. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Ici, même et maintenant, si vous avez une sensibilité spirituelle, vous devez être d'accord avec le fait que la gloire de Jésus est cachée maintenant. Elle est cachée. Les gens ne peuvent pas la voir. En ce moment, ceux qui aiment Jésus sont harcelés de toutes les manières. Ici et maintenant, le nom de Jésus est utilisé comme un mot d'injure par les types d'Hollywood. Chaque croyant ressent aujourd'hui le fardeau, s'il ne le ressent pas personnellement, il le ressent pour les autres. Mais même les croyants en le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui ne marchent pas dans la puissance de sa présence. Ah, mais quand il divise le ciel de l'Est, il se révélera à la fois aux croyants et aux non-croyants. Il révélera chaque chose qu'ils ne peuvent même pas voir. Nous le voyons à travers les yeux de la foi, nous le croyons parce que Dieu l'a dit. Le Saint-Esprit témoigne, la parole témoigne, mais nous ne pouvons pas le voir de nos propres yeux. Nous le verrons ce jour-là. Regarde le verset 7, il a dit qu'il révélerait. Le mot ici, apocalypsis, signifie révéler, ouvrir, découvrir, dévoiler, quelque chose de caché. Mais alors il ne sera plus caché. Regardez le verset 7 de nouveau. Il ne reviendra pas seul. Il reviendra avec les anges puissants. Il reviendra dans un feu ardent. Où Paul obtient-il cette information? Eh bien, le Saint-Esprit la lui a donnée, mais il l'apprend aussi directement de la bouche de Jésus. Matthieu 16, 27. Voici ce que Jésus a dit à propos de son retour. Voici ce que Jésus dit à propos de ce jour. Il a dit, le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges, il récompensera chaque personne d'après ses actes. Vous voyez, Paul n'a pas inventé ce genre de choses. Il les a prises directement de Jésus, de ses lèvres. Mais ce n'est pas tout, ce n'est pas tout. Ce jour-là, il reviendra dans un feu ardent. Vous dites, qu'est-ce que ce feu ardent dont Paul parle? C'est le feu du jugement. C'est le feu de sa justice ardente. C'est le feu de la consommation et de la destruction du péché. C'est le feu de la fournaise de sa vengeance pour ses enfants fidèles. C'est le feu
de sa divinité que les gens ont nié et dont ils se sont moqués et qu'ils ont refusé de croire. En fait, Paul nous dit que ce jour-là, son retour révélera sa double justice à double face, le soulagement pour les fidèles et la rétribution pour les non-croyants. La paix et le repos pour les croyants. La douleur et la souffrance pour ses ennemis. Le rafraîchissement pour ses saints souffrants. La vengeance pour ses négateurs. Et les faux croyants. Et ceux qui, dans l'apostasie, lui tournent le dos. La deuxième question est de savoir qui recevra cette rétribution, ce jugement. Versets 8 et 9. Le mot « rétribution » ici signifie « mesure complète ». Mesure complète, ce ne sera pas juste partielle. Ce ne sera pas une tape sur les doigts. Non. Ce ne sera pas juste partielle, ce sera une mesure complète. C'est ce que le mot signifie. Alors, qui sont ceux qui recevront cette punition inexplicable et ce jugement? Tous ceux qui l'ont renié comme seul sauveur et Seigneur. Tous ceux qui l'ont rejeté comme seul chemin vers Dieu le Père et vers les cieux. Tous ceux qui se sont moqués, ont harcelé, insulté et persécuté ces fidèles croyants. Écoutez ce que Jean-Baptiste a dit à propos de ce jour. Dans Matthieu 3, 12, il a dit « Sa fourche de vannage est dans sa main ». Eh bien, certains d'entre nous ne savent peut-être pas ce qu'est une fourche de vannage. Dans les anciens temps, quand ils coupaient le blé et qu'ils l'amenaient à l'ère de battage avec de gros bâtons, ils battaient le blé. Et puis, ils attendaient une journée venteuse et avec cette longue fourche en bois, qu'on appelle une fourche à vannage, le fermier soulevait tout de sur l'aire de battage et plus le vent soufflait, mieux c'était parce que le vent prenait la balle et l'écosse et le blé tombait sur l'aire de battage. Maintenant que vous comprenez cela, laissez-moi vous lire le passage complet dans Matthieu 3, 12. « Sa fourche de vannage est dans sa main. Il nettoiera son aire et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » Il ne s'éteint pas. Il ne s'éteindra pas. Et voilà pour le Jésus doux. Et voilà pour le Jésus mollasson qui est prêché dans beaucoup de chaires aujourd'hui. Voilà pour le doux et tendre Jésus. Écoutez-moi, bien-aimé. Quiconque ne prêche que la miséricorde de Jésus et ne prêche pas la justice de Jésus, prêche un faux évangile et trompe tout un tas de gens. Luc 21, 22, écoutez ce que Jésus a dit de lui-même. Vous voyez, beaucoup de gens ne veulent pas prêcher de Luc 21, 22. En fait, certaines personnes essayent de le sortir de leur Bible. Certains le font. Ils veulent l'enlever. Mais voici ce que Jésus a dit. Il a dit que son retour serait un jour de vengeance. Son retour sera un jour de justification. Son retour sera un jour de juste punition. Son retour sera un jour de jugement contrôlé. Son retour sera un jour de justice parfaite. Son retour sera un jour de jugement et de punition parfaitement exigeant. Écoutez, vous et moi, nous savons qu'il est un juge fidèle et bon, et que Dieu nous a bénis dans cette église avec certains d'entre eux ici. Il donne toujours la punition exacte qui correspond au crime, et il ne ferme pas les yeux devant le crime. Mais pensez juste à ceci, à quel point Jésus est parfait et saint en tant que juge. Vous voyez, ce jour-là, pas une seule personne qui a détesté Jésus, persécuté ses disciples, pas une ne dira « Ce n'est pas juste. Je n'ai pas eu une part juste dans tout ça. Ce n'est pas bien. Pas un. » Tout le monde se tiendra là, surtout ceux qui l'ont rejeté, ceux qui ont persécuté les croyants et ceux qui refusent de croire qu'il est le seul chemin vers le ciel. Ils diront « J'ai reçu un jugement juste. J'ai reçu une récompense juste. Je le mérite. »
C'est ce qui va se passer le dernier jour. Ce ne sera pas comme aujourd'hui quand tout le monde se plaint. Ce n'est pas juste, ce n'est pas juste. Ah, mes droits et tout ça. Non, 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 non. Ce jour-là, tous ceux qui ont harcelé les croyants, ont harcelé les disciples du Seigneur Jésus, ils diront « J'ai eu ce que je mérite ». Bill Maher, qui se moque constamment des chrétiens et se moque du Christ, à moins qu'il ne se repente, ce jour-là, il lèvera les yeux et dira « J'ai reçu ma juste récompense ». La troisième question à laquelle Paul répond ici, quelle forme cette punition aura-t-elle ? Regardez le verset 9. « Ils seront punis d'une destruction éternelle et exclus de la présence du Seigneur et de la majesté de sa puissance. » Si vous avez votre Bible, ou même si vous ne l'avez pas, vous pouvez y aller et marquer la Bible de l'Église. Vous pouvez mettre un cercle autour du mot « destruction » parce que ce mot ne signifie pas l'annihilation. Cela ne veut pas dire ça du tout. Alors quand vous pensez à la destruction, comme vous savez, quand ces tempêtes viennent et elles détruisent juste une maison, elles viennent et disparaissent, c'est une destruction totale. Ce n'est pas ce que cela signifie ici. Ce n'est pas juste qu'ils disparaîtront ici. Cela ne signifie pas qu'ils seront démolis et disparaîtront. Cela ne signifie pas que leur souffrance finira et qu'ils disparaîtront. Ils disparaîtront d'une manière ou d'une autre. En fait, ils auront envie de disparaître. C'est la vérité, ils souhaiteront pouvoir disparaître. Ils en auront envie. Mais ce qui arrivera, c'est ce que le mot signifie ici, c'est qu'ils perdront tout ce qui donne de la valeur à l'existence. Ces personnes perdues ne cesseront pas d'exister. Ils feront l'expérience pour toujours d'une vie de désespoir, de vide et vide de sens. Leur vie n'aura aucune valeur, aucun but et aucune espérance. Alors qu'ils paieront pour le rejet de Christ, pour avoir insulté ses disciples, ses croyants seront bénis et récompensés pour l'éternité. Verset 10. Ce jour-là, il viendra pour être glorifié en son peuple saint et pour être admiré, entre tous ceux qui y ont cru. Et puis Paul s'adresse aux Thessaloniciens et dit, cela vous inclut. Et je crois que je n'exagère pas si je dis que tous les croyants sont inclus dans ce passage. Cela vous inclut parce que vous avez cru en notre témoignage. D'après Philippiens 3, 21, nous aurons des corps comme le corps de Jésus après la résurrection. Notre caractère ressemblera à celui de Christ. Ce n'est pas une chose pour laquelle nous devons prier, aspirer, nous chanter. Nous l'aurons. Nous aurons un caractère comme Christ. Il sera glorifié en nous et nous en lui. Laissez-moi vous donner une traduction, Youssef, de ce que Paul essaye vraiment de dire ici, d'accord? Voici ce que cela signifie. Nous allons nous regarder les uns les autres ce jour-là. Les croyants se regarderont et diront, « Pouvez-vous croire cela? Avez-vous déjà imaginé que ce serait comme ça dans vos rêves les plus fous? » C'est ce qu'il essaye de vous dire, j'essaie juste de le mettre en langue vernaculaire. « Avez-vous déjà pensé que ce serait si fantastique? Avez-vous déjà pensé que ce serait si incroyable? Avez-vous déjà imaginé à quel point c'est merveilleux? » Et nous dirons non, pas même dans notre imagination la plus folle. Puis au verset 11 et 12, il dit, « Paul prie pour qu'il soit toujours encouragé de ce jour-là, pour qu'il soit toujours encouragé et s'encourage les uns les autres. Bien-aimés, nous devons toujours prier les uns pour les autres, alors que nous attendons avec impatience ce jour à venir. Même si nous travaillons, même si nous servons, tout comme nous donnons de nous-mêmes, même si nous donnons de nos ressources, même si nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir, à chaque fois que nous le servons de n'importe quelle façon, et nous attendons avec impatience ce jour, sachant que ce jour arrive. Au lieu de passer votre vie remplie de colère et d'amertume,
et de pensées de vengeance, au lieu de passer votre vie à dire « Oh, malheur à moi, regardez-moi !» de lécher vos blessures au lieu d'avoir une vie d'amertume. Rappelez-vous les uns les autres de ce grand jour. Amen. Passez votre vie à prier, à vous encourager les uns les autres, alors que vous vous préparez pour ce règne incroyable, merveilleux et éternel avec lui. Au verset 12, il a dit que Jésus devait commencer à être glorifié en nous, ici et maintenant. Laissez-le être glorifié en vous aujourd'hui. Laissez-le être glorifié dans votre utilisation de votre temps. Laissez-le être glorifié dans vos ressources. Qu'il soit glorifié dans l'utilisation de votre témoignage. Laissez-le être glorifié dans la façon dont vous traitez avec les gens et les relations. Laissez-moi vous donner un exemple de la façon dont un homme a appris à transformer son amertume, son désir de vengeance, en glorifiant Jésus-Christ. Et cette histoire est celle d'un homme nommé Jack de Chaser. Jack est allé au Japon en tant que missionnaire, mais il y est allé de la manière la plus inhabituelle, la manière la plus inouïe. Il est allé à travers un camp de prisonniers japonais à Shanghai, en Chine. Jacob de Chaser était l'un des pilotes de B-25 qui ont volé dans l'attaque de Doolittle pour bombarder le Japon. Et alors qu'il pilotait, il a été forcé d'abandonner son avion et plus tard, il a été capturé par les Japonais et emprisonné à Shanghai dans une prison. Lui et quatre autres survivants prisonniers ont enduré la torture, la douleur et la souffrance de la manière la plus inhumaine et la plus incroyable. Ils les ont littéralement mis au régime sec. Jacob a supplié ses ravisseurs pour une chose, c'est une Bible. Ils lui ont donné une Bible et il a commencé à lire la Bible. Et quatre semaines plus tard, il a donné sa vie à Christ et il est devenu un croyant. À ce moment, il a commencé à voir ses ravisseurs à travers de nouveaux yeux. Il a commencé à prier pour que Dieu leur pardonne. Après la guerre, Jacob ou Jack est retourné aux États-Unis et est allé au collège biblique. Et quand il a terminé ses études bibliques, il a senti que le Seigneur l'envoyait littéralement au Japon, en tant que missionnaire. En 1948, il est retourné au Japon. Et son message était très simple. Il a imprimé une brochure traduite en japonais, intitulée « J'étais un prisonnier de guerre ». Et il se tenait à la gare et donnait juste son témoignage. Il le distribuait aux passagers qui allaient et venaient. Et un jour, il était devant la gare de Shibuya à Tokyo, distribuant ses tracts chrétiens avec son témoignage. Un des passagers qui passait par cette gare a pris un de ses tracts qu'il distribuait. C'était un homme japonais du nom de Mitsuo Fushida. Mitsuo était le seul pilote de Pearl Harbor à avoir survécu à la guerre. En fait, Mitsuo pilotait l'avion principal dans l'attaque de 350 avions à Pearl Harbor en 1941. Et quand il a pris cette brochure, il a commencé à la lire et à lire l'histoire de Jacob de Chaser. Il est allé acheter une Bible et a commencé à lire la Bible. Plus tard, Mitsuo est devenu l'un des plus grands évangélistes du Japon et a conduit beaucoup de gens au Christ. Vous voyez, la vengeance de Jacob de Chaser était maintenant complète. N'est-ce pas incroyable? Il a transformé un ennemi acharné en un frère chrétien et un évangéliste. Et donc, si j'ai une parole pour les croyants, que ce soit
que vous demandiez au Seigneur, « Seigneur, comment puis-je transformer toutes les circonstances amères que j'ai traversées en une opportunité de partager Christ ?» Mais il y a peut-être quelqu'un ici qui n'a jamais reçu ce don de la vie éternelle, ou compris ce que veut dire venir à Jésus-Christ, reconnu qu'il a pris tous nos péchés sur la croix, qui ne s'est pas repenti du péché et ne l'a pas reçu comme Sauveur et Seigneur. C'est le premier pas. C'est là que vous devez commencer.